Tous les outils qu'on trouve actuellement en termes techniques ou pédagogiques me conviennent pas par rapport à la vision que j'ai du cheval et au respect que j'ai envie d'avoir avec lui au travail, ou même dans le loisir, ou même en compétition. Ça correspond pas trop à ce que je recherche. J'ai fait le tour de pas mal de choses. J'ai fini par tomber sur le site d'Arlette et par les formations, les stages, tout ça. Et en fait, j'ai commencé par regarder ses conférences. Et quand je les ai vus, ça m'a parlé de suite, de suite, de suite, les poils dressés, l'émotion, les larmes aux yeux. Voilà, c'est ça que je recherche pour mes chevaux, pour mes élèves, pour moi d'abord même. Ouais, c'est ça, c'est le cheval d'abord. Être avec le cheval, la sécurité, être capable de gérer ses émotions, être capable de rentrer dans leur monde de façon subtile sans aucun moyen de coercition. Ouais, l'écoute et le respect, voilà, c'est juste facile. C'est tout ce qui me fascine, c'est chez le cheval. Et là, voilà, bah, c'est ce que propose Arlette en fait, d'atteindre l'excellence avec le cheval et tout le monde, enfin. J'ose espérer que tout le monde, enfin, oui, moi en tout cas, j'ai envie de ça. L'enseignement fédéral, c'est assez restrictif, ça nivelle vachement les choses vers le bas. Ça amène une seule petite, toute petite partie de ce qu'est la dimension du cheval à mes yeux, en fait. Ça se résume, il résume ça à l'équitation, à faire des choses, ou à faire faire des choses au cheval. Et pour moi, c'est le cheval, c'est multiple. Je ne parle pas des disciplines, hein, je parle vraiment de l'être en lui-même, des possibilités qu'on peut faire avec lui comme médiateur, quoi. Que ce soit en travail personnel ou avec les gens, ou en termes sportifs, ou en termes techniques, en termes de tout. En fait, c'est ouais, c'est multidimensionnel. Et dans les formations qu'on rencontre, on a beaucoup de formations basées sur les disciplines ou sur la pédagogie, mais c'est souvent des pédagogies très directives qui laissent sur le bas-côté de la route nombre d'élèves, ou nombre de personnalités, ou nombre d'enseignants aussi, ou purement techniques. Donc pareil, ça laisse beaucoup de monde au bord de la route. Et le cheval, il passe au second plan. Alors que tout ce que... Enfin, moi je pense hein, que ce que recherche la plupart, c'est vraiment l'unité avec le cheval, quoi. Et le seul endroit où j'ai trouvé un peu cet esprit-là, c'était chez Akita avec Arlette, quoi. Les chevaux, quand on est là, présent, impliqué, c'est immédiat. Donc il y a des chevaux qui n'ont pas l'habitude, enfin les chevaux les plus fins, ça va être immédiat. D'autres, ils vont dire, tiens, mais en fait, elle est là. Ah, mais en fait, elle m'écoute. Ah, mais en fait, ok. Bon, bah, c'est bon, on y va alors. Voilà, c'est... Mais c'est plutôt dans le sens où, bah, qu'est-ce que tu foutais avant, quoi? Qu'est-ce que tu faisais avant? Pourquoi que maintenant? Oui, pour eux, en fait, c'est simple. Eux, ils sont là-dedans tout le temps. Et donc, en fait... Ouais. C'est une autre forme de communication en fait, et je pense pour eux c'est OK de suite. C'est plus simple, il n'y a pas de contraintes, et ils sont là pour nous aider à chaque fois, à chaque pas, chaque progrès. Ils sont là, alors, OK, c'est ça, ou non, c'est pas ça. Tu y es plus, bah, moi non plus, alors hop. Bon, bah, si tu y es pas, j'y suis pas. Et non, ils sont OK. En fait, ils sont toujours OK pour nous apprendre. Alors c'est pas facile, mais quand on touche, waouh, c'est encore meilleur. Et ça laisse toujours apercevoir tout ce qu'on touche. Il y a des petits moments de grâce qui sont merveilleux. Et à chaque fois qu'on en touche, on se dit, mais en fait, c'est juste une infinité par rapport à... Enfin non, c'est juste un tout petit bout par rapport à l'infinité qui existe avec le cheval. Et donc... D'y goûter une toute petite partie, là, ça fait apercevoir un autre champ du possible avec les chevaux. Faut essayer, faut expérimenter, il n'y a que ça. Il n'y a que ça qui peut bouleverser les idées reçues, les habitudes, on a toujours fait ça depuis des décennies, c'est pas comme ça qu'on va changer. Mais si, en fait. Il n'y a que en faisant. Il n'y a que comme ça qu'on peut révéler les chevaux et notre façon d'être avec les chevaux, il n'y a que ça. Après, oui, hein, c'est vrai, hein, la vidéo du film, c'est fascinant. C'est fascinant. Mais il y a des gens, voilà, ils auront besoin de le vivre pour le croire.
c'est assez incroyable. Mais même quand on le vit, c'est incroyable en fait.